Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Voici Jamie, notre nouvel étudiant étranger. Prenez n'importe quel siège que vous voulez, mon cher. Wow! Puis-je m'asseoir ici? Non, c'est déjà occupé. Hé! Où penses-tu aller comme ça? Reviens! Salut! Tes vêtements sont un peu différents. Tout le monde s'habille comme ça dans mon école. Et où est ton sac à dos? Ah, le sac à dos. J'ai dû le laisser à la maison. Laine de licorne? Non. Un balai? Non. Le chapeau de ma sœur? Pourquoi est-il ici? Où est mon sac à dos? Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Comme toujours. Pourquoi est-ce que je tends toujours la main? Hé, tu ne devrais pas être là. Vite, reviens à la maison. Où l'as-tu trouvé? Il a toujours été ici. Ah, la leçon commence. Très bien, commençons notre leçon par les devoirs. Et le premier sera Jay... Non, pas moi. Jamie. Ah, d'accord. Oh! Voici mes devoirs. Ah! Allez! Ouvre-toi! J'ai dit ouvre-toi! Je vois que tu as besoin de l'aide d'un véritable homme. Pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié la clé du casier. Et la leçon commence dans 5 minutes. J'ai toutes mes affaires et devoirs ici. Laisse-moi essayer. Ok. Et voilà. Waouh! Tu es un vrai sorcier. Et si on sortait demain? Je viendrai te chercher à 15h. Sortir? Tu as finalement fait le bon choix. Ah, ce n'était pas pour moi. Et tu es parti. Voici votre table, monsieur. Merci. Ah, l'endroit est tellement monotone. C'est pas bon pour un rendez-vous romantique. Ben, c'est mieux. Et avec un peu plus de magie. Parfait. Ah. Est-ce que j'ai l'air présentable? Tu es magnifique. Ne t'inquiète pas. Votre rendez-vous, monsieur. Salut! Quelque chose ne va pas avec ce Jamie. C'est tellement drôle! Quoi? Ils sont déjà sur la première étape? Votre facture. Merci, c'était super. Je suis désolée, la facture indique 100 dollars, pas 50 dollars. Je pense que vous vous êtes trompé de facture. Vous nous avez apporté la facture de la table là-bas. C'est bon, nous pouvons y aller. Vous devez payer la commande. Vous devez payer la commande. Vous devez payer la commande. D'accord, d'accord, je vais payer. Laissez-moi juste tranquille. Hé, que se passe-t-il? Ne crie pas. Il me semble que Jamie a des pouvoirs magiques. Et pourquoi penses-tu ainsi? C'est facile. Il porte une robe étrange. Il est beau.
Et quand je suis près de lui, il m'arrive toujours des problèmes. Freddy, tu m'as kidnappé et attaché. Laisse-moi vite partir. Je ne t'ai pas attaché. Tu as croisé tes bras toi-même. Oh, d'accord. De toute façon, tu n'as aucune preuve. Et même si c'est vrai, c'est un bon gars. La chasse aux sorcières vient de commencer. Je le savais, c'est un livre de sorts. Oh, oh! Pourrais-tu me caresser 24 heures sur 24? Ah, comment arranger ça? Faux! Encore faux! Enfin, c'est ce dont on a besoin. Abandonne tes doutes, allonge-toi sur moi et dors. C'est ce que nous voulons tous les deux. Ah, c'est totalement bizarre. Ouf, enfin réglé. Je suis tout puissant. Oh. Freddy, changeras-tu un jour tes vêtements? Je vais vous montrer comment on se moque de moi. Freddy, as-tu dévalisé un magasin? Je pense qu'il est temps d'inverser les rôles. Ah! Hein? Ah! Ah! Toute l'école apprendra qu'on ne peut pas se moquer de Freddy. Que s'est-il passé ici? Ah, peux-tu m'aider à atterrir? Ah! Hein? Quoi? Qui vous a fait ça? Freddy est entré dans la classe et a commencé à faire de la magie parce que nous nous moquions de lui. Je pense qu'il a trouvé mon livre de sorts. Je suppose que je n'aurais pas dû prétendre que je ne savais pas que tu étais un sorcier. Oh, c'est mon corps! Tourne-le dans ma direction. Je vais réparer ça. C'est mieux, merci. Merci. Nous devons trouver Freddy avant qu'il ne fasse quoi que ce soit d'autre. Pas besoin d'aller nulle part. Voici Freddy. Toi, je vais montrer à Chloé qui tu es vraiment. Assez de magie pour aujourd'hui. Et rends-moi mon livre avant d'envoyer la Terre dans une autre galaxie. Je suis désolée, Freddy. En fait, je connaissais les pouvoirs de Jamie depuis le premier jour. C'est une mauvaise blague. Nous sommes désolés. Quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Personne ne me parlera après ça.
Ne t'inquiète pas, j'ai déjà effacé la mémoire de tout le monde de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en guise d'excuse, je vais t'apprendre tout ce que je sais. Wow! Beau travail, magicien! Salut les jeunes sorciers! Si vous voulez encore plus de magie, abonnez-vous à notre chaîne et notre TikTok magique. Et amusez-vous bien! Qui a inventé ces examens de toute façon? Je n'ai pas les idées claires. Ah! Je crois que mon cerveau est en surchauffe. Vous auriez dû vous préparer. Moi, je me suis préparée. Psst! Je peux voir ta réponse à la question 5? Non, je ne l'ai pas encore faite. Et si je te donnais mon maquillage et t'apprenais à l'utiliser? Et du rouge à lèvres? Ça marche! Merci! Hé, je veux ça aussi! Salut, tu as peut-être besoin d'un téléphone? La connaissance, c'est le pouvoir. Apprenez, les enfants. Ah, pourquoi on a besoin des maths? On est des sorciers. Maintenant, il est temps d'utiliser nos pouvoirs magiques. Prends-le-moi. C'est mon examen. À cause de toi, je dois refaire le test de nouveau. À plus, loser. Et qui est le loser? C'est quand même moi. Enfin, le déjeuner. Voyons ce que maman m'a donné aujourd'hui. Quatre jours d'affilée. Je suppose que je suis adoptée. Tu en as plus besoin. Tiens, merci. Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner? Pas grand-chose. J'ai appris un nouveau sort. Donne-moi tes mains. Nourriture, nourriture, nourriture. Waouh! Génial! Bon appétit à nous tous. Hé, loser! Tu ferais mieux de quitter notre école. Ouais, montre-lui. Oui. Hé, mes livres! La connaissance est le pouvoir. Vous avez entendu ça? Mes cheveux! Mon visage! La connaissance, c'est le pouvoir. Arrêtez! Arrêtez! J'aurais dû faire du karaté. Pourquoi on a besoin de faire du sport? Le sport est excellent pour la forme. 20 squats de plus. Nous sommes des magiciens. Waouh! Les adolescents. Je ne sais pas jouer au foot.
les adolescents. Hé, fais passer. S'il te plaît, c'est pour moi. C'est un plaisir. S'il vous plaît, arrêtez, je suis assise là. Ah, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Jolie coiffure, Chloé. Oh, c'est pour moi. C'est si gentil. Hé, Chloé, il commence à faire chaud. Chloé, s'il te plaît, calme-toi. Ah! Hé, tu veux sortir ce soir? J'adorerais. S'il vous plaît, arrêtez! Pousse-toi de là! Ah! Cet examen est un grand défi, mais nous pouvons le faire. Prêt? 1, 2, 3, c'est parti! La peine. Oh la vache, c'est fait. Prêt? 1, 2, 3. C'est parti. Ah! Félicitations, c'est un résultat parfait. Par le théorème de Lindemann-Weierstrass, le logarithme naturel de tout nombre naturel autre que 0 et 1, plus généralement de tout nombre algébrique positif autre que 1, c'est si ennuyeux. Est un nombre transcendantal. On devrait peut-être jouer un tour à Chloé. Hé, Chloé, je peux t'emprunter ton stylo? Tiens. Et allons chercher de la sauce épicée. Chloé, ton stylo. Ok. Je suis en train de m'endormir. Il est temps de sortir d'ici. Juste un peu d'exercice. Retournez à votre place. On continue la leçon. Non, si près du but. Ah! Ce cours est si ennuyeux. Je ne peux pas le suivre. Et je ne devrais pas. Il est temps d'utiliser la magie. Peut-être profiter de la situation. Ma trousse! Qui es-tu? Donne-moi ma pomme! Mademoiselle magique, Chloé essaie d'échapper à votre classe. Quoi? Chloé! Apparaît! Salut! Punition, dans le bureau du principal.
Allez-vous regarder au moins un cours sur la mitose? Ah, les adolescents! J'aimerais que ma vie soit comme ce film. Ouais! Salut! Waouh! Nous sommes vraiment dans un film! Ah! C'était quoi ça? Ah! 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 Tu ne m'avais pas dit que c'était un film d'horreur! Tu as aimé la vidéo? Alors abonne-toi à nos chaînes YouTube et TikTok et clique sur la cloche. Amuse-toi bien, ma belle!